Tu sais, ce n'est pas en usant le tapis comme ça que Julie t'appellera plus tôt. Je m'en moque de Julie. Et puis d'abord, ben j'use pas le tapis, je joue. Oui, je vois ça. Tralala, c'est nous. Oh, bah c'est vous, tcho les mecs. On a une méga nouvelle. La nouvelle de ta vie, mon pote. On a prévu un super plan. Hugo nous a eu des places pour le parc aquatique. Eh ouais, les gars. C'est pas vrai. C'est son parrain qui lui a donné des sous pour qu'on y aille tous. Oh, vers sympathique, non. On va pouvoir faire des bombes. On va pouvoir éclabousser les filles. On va pouvoir prendre le toboggan à l'envers. On va pouvoir plonger du plomb voir sous la mort. C'est cool, non? Bah ouais, c'est cool, mais je popo. Quoi? Bah j'ai promis à ma cousine Julie de passer tout l'après-midi avec elle. C'est une tarte. Tu vas passer tout l'après-midi avec une fille qui est même pas une vraie femme. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas une fille d'abord, c'est Julie. Et en plus je lui ai promis. D'accord les gars, laissez tomber. Tu t'as pas mieux à faire que venir s'éclater à la piscine avec nous, c'est tout. Tu vas faire quoi alors? Jouer à la dinette avec une fille? Non, il va foutre à la camp. Trop cool donc. Tchou. Mince. Ah, il a pas l'air content, hein? On y est peut-être allé un peu fort, non? Bon, il a qu'à choisir son camp avec qui il veut aller. C'est ses copains ou alors c'est les filles. C'est vrai qu'en plus c'est avec sa cousine. Oh ouais les gars, mais on peut pas le laisser comme ça. Faudrait lui laisser une seconde chance. La galerie marchande. Ah bon, avec ta mère pour faire du lèche-vitrine. Et hey, Julie, tu sais, je viens de me souvenir que j'avais une interro de maths demain matin et... Demain matin? Bah oui. Ah bon? C'est d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Au revoir. Ta-da! Qu'en penses-tu? Waouh, il est superbe. Tu es un chou. C'est la plus belle de tout le quartier. Vous voyez les gars, je l'avais dit, on a bien fait de lui laisser notre chance. Oui, c'est-à-dire que faut juste que j'aille chercher mon maillot. Je le savais moi qu'on pouvait compter sur lui, pas vrai les gars? Allez, Titeuf, à la fête. Mais ça va pas, pauvre nage du slip. Je me tire, j'en ai marre de voir vos sales têtes de nage. Oh, allez, viens, Titeuf, fais pas la tête. Vous êtes tous qu'une bande de nukes. Laisse tomber, mon gars, il va retrouver sa cousine.
Ouais, ben moi, je suis sûr que Fifeuf, il est amoureux de sa cousine. Vous êtes trop jeune pour comprendre ça, les gars. Pauvre type. Titeuf, j'ai cru que tu n'arriverais jamais à te libérer. Oui, ma petite Julie. Et je te jure que ça n'a pas été facile. Mais tes amis, tu les as laissés. Tu as laissé tes amis pour venir avec moi. Oui, mais ce n'est rien, tu sais. Pour toi, je donnerai le monde. Avec en prime ma Pocket Toy. Tiens. Oh, c'est ta Pocket Toy, Titeuf. Pour moi. Ouais. Eh bien, je te la prête. Oh, Titeuf, tu es si formidable, si généreux, tu es si galant. C'est d'ailleurs pour ça que tu es mon cousin préféré, Titeuf. Oh! Je suis là! Oh, tiens, Titeuf. On ne t'attendait plus? Ah ouais, vraiment? Tiens, couru! Regarde, tu es tout mouillé. Fais bien attention de ne pas attraper un rhume, Titeuf. Oh non, je suis pas enrhumée. Tiens, on t'a pris un gâteau. Waouh! Oh, merci! Oh, et puis tu as vu le nouveau t-shirt que ma maman m'a acheté? J'en ai jamais eu un aussi beau, tu trouves pas? Oh, Julie, ton nouveau t-shirt. Oh, bah, je suis désolée, Julie. C'est pas grave. Il faut bien le laver une première fois, non? Titeuf, tu vas te décider à le manger ou pas, ce gâteau. Réfléchis vite avant qu'il n'empeste ta chambre. Sûrement pas. C'est un cadeau. Je vais le garder toute ma vie. C'est pas juste. T'as vu comme elle me regarde? D'accord, silence les schtroumpfs. Ce soir aura lieu un grand défilé suivi d'élections de Miss et Mister Cool, bien sûr. Ouais. Les garçons et la fille les plus cool de toute la colo. Et après, il sera l'heure de... La boue. Eh ouais, on se donne tous rendez-vous dans 2 heures pour le défilé. Et surtout, n'oubliez pas, soyez cool les gars. À ton avis, quel est le plus cool, le bleu ou le rouge? Bah, je sais pas, moi, celui qui pue le moins. Le bleu. Mais peut-être que Nadia préfère le rouge. Allez, sois sympa. Tu sais bien en plus que je l'adore, quoi. Allez. Oh, c'est bon, j'y vais. Mais tu me promets de m'aider à trouver quelqu'un avec qui danser ce soir, alors. Ça, c'est une mission pas possible. T'inquiète pas, on trouvera quelqu'un. Marco, veux-tu sortir avec moi ce soir? Nadia? Non! Prends-moi cette espèce de voleur! Attends une minute, Dumbo. Tu peux pas faire ça, hein, Nadia? C'est un sans-cœur, Marco. Il pense qu'à sa casquette. Nadia mérite mieux, je sais pas, moi. Quelqu'un comme moi, quoi. Dans tes rêves, Titeuf. Mais mon pauvre vieux, jamais Nadia ne voudra d'un nulos comme toi. Bon, rends-moi ça, maintenant. Faut que je l'amène à Marco. Oh. Voilà, comme ça, ben, tu rends pas. T'es vraiment trop stupide. Si tu crois que ça va m'empêcher d'aller parler à Marco... Oh. Lâche-moi, tu me viens. Je te l'avais dit que t'irais pas voir Marco.
tas de chaussettes pourries. Maigre et efficace, ta boule puante, Manu. Bon, où elle est la trousse de toilette de Mister Casquette? On va transformer ce sale frimeur en mocheté. C'est bon, y'a tout. Encre indélébile, ok. Colle extra forte, ok. Et le meilleur pour la fin, l'auto-bronzant qui fait des taches orange. Ok, dans la crème pour les boutons. Oh. Allez Marco. Oh, boah, t'es quoi ce truc? C'est toi qui pue comme ça? Très drôle, Titeuf. Des nazes ont voulu nous asphyxier avec des vieilles chaussettes pourrites. Bon, bah c'est pas le tout, les nains. Mais moi, faut que je me fasse beau pour la soirée. Ma, vas-y, vas-y, je t'en prie. Tiens, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Je vais pas pouvoir mettre ma casquette. Aïe, aïe. Ah. Excuse-moi, Marco. Est-ce que quelqu'un aurait vu Dumbo? Oh, Marco! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, moi, c'est horrible, je te jure. Bon, ne t'énerve pas, ça doit sûrement être une allergie. Tu peux pas rester tout seul. Faut absolument qu'on s'occupe de toi. Allez, viens avec moi, avec les filles, on va te remettre à neuf, tu vas voir. C'est pas juste, c'est pas juste. Moi aussi, je veux qu'on s'occupe de moi. Y'a quelqu'un? Ah! Nadia! Nadia! Je crois bien que moi aussi j'ai une grosse allergie. Ah! Monstrieuse! Nadia, c'est moi, putain! Nadia, c'est moi! Alors les schtroumpfs, ça y est, on est prêt pour le grand défilé. Allez Titeuf, tes copains t'attendent. C'est terrible Benoît, regarde, je peux pas y aller comme ça. Si tu peux, je t'assure, je te raconte pas de salade Titeuf. T'es terrible comme ça. Et maintenant c'est parti. Et maintenant, au suivant, c'est parti. Les enfants, les jeux sont faits. À l'unanimité, le titre de Mister Cool a été attribué à Titeuf, qui, tout en restant dans le coup, garde son originalité. Un bouffon, mais ça vient un peu ma Miss Cool. J'aurais peut-être pas dû la laisser enfermée dans ce placard. Enfin, pour terminer ce grand défilé, le titre de Miss Cool est attribué à Dumbo pour son look destroy mais original. Allez, on encourage et on applaudit bien fort Miss et Mister Cool. Tais-toi, Nadia, je te jure que je raconte tout à Nadia. Nadia! Tu restes là, toi,
je savais bien que je trouverais quelqu'un pour danser ce soir. Oh non. Tant pis pour toi, mon vieux. Si c'est pas du rack, je le porte même pas. Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack. Comme par exemple... Tiens, Titeuf, tu veux pas de mes t-shirts par rack? Quoi? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi? Moi aussi j'ai du rack, hein? Qu'est-ce que tu crois? Mais là, le logo, il est tombé, c'est tout. Son logo, il est tombé, hein? Faux! C'est pas possible, les logos rack, mon pote, ils tombent pas! C'est cousu dans la masse du t-shirt! Ah ouais? Eh ben moi, c'est un rack d'importation, voilà! Directement de là-bas! Et là-bas, ben, y a pas besoin de logo! Et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde connaît le style! Bon, allez, je peux pas entendre ça, tiens! Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire! Pauvre Nevar. Ah. Il va voir ce grand as de kiki sexuel qui sait que vraiment un pauvre nul. Et voici X, la marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls. Et maintenant, opération transformation. Et là, ça va être over mega kill. Oh. Oh. Voilà, comme ça, c'est aussi joli. Oh, hein? C'est tout nouveau. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que les VIPs qui l'ont au States. C'est mon père qui me l'a ramené. Ben, moi, je connais pas. C'est génial. C'est si cool. Où est-ce qu'on peut en avoir? On peut pas. Il n'y a pas encore d'importateur. Moi, en fait, j'y pense. Justement, il y a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Ha! Mais tu l'avais pas déjà avant, ce t-shirt, tu teuf? Je le reconnais. Non, mais ça vaut pas dans ta tête, toi, hein? Et puis d'abord, comment t'aurais vu? T'as toujours au moins une oreille devant un œil. Oh, oh! Mais tu t'es bien regardé, pauvre taré du slip! Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon! Bon alors, Titeuf, quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père? Bon ça, je sais pas. Ça va dépendre. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi. Oh! Ouais, et ben moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate. Tcho! Waouh! C'est vrai, c'est quoi, corporate? C'est ça, ouais! Un blouson rack! Comme tout le monde, quoi, hein, pauvre nul! Non, mais vous ne connaissez pas la dernière. Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée. Et il a découpé des X dedans, non, mais je vous jure. Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve. Et puis, il a mis de la colle partout dans sa chambre. Bonjour, maman. Il est là, je vous laisse. Au revoir. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'était trop nul. Tchou, les gars. Tchou. Ah, oh bah tiens. Tiens, c'est trop chouette cette vague bleue là. Ouais, c'est assez chouette, ouais. C'est une nouvelle marche. Oh, c'est pas encore très connu, mais il paraît que ça fait un carton en Amérique. Ça cartonne en Amérique. Arrête un peu ton charme, Manu, c'est trop nul ça. C'est pas nul du tout, mon vieux, c'est cool. Non, moi je la trouve chouette sa marque à Manu. En plus, j'aime bien le bleu. Ha, tu vois alors. Ouais, et moi je préfère largement le X jaune de Titeuf. Ça, c'est n'importe quoi de ça. En même temps, lui au moins, il a du goût. Tu te souviens, hein? Ça te fera trois barres chocolatées que tu me dois. Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein. Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père. Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues. Alors vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue. Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon. Tchou, les gars! Oh, oh mon petit Hugo, faut que je te parle. C'est quoi ce délire sur ton pull? Et en plus, c'est celui d'hier. Tu t'es même pas changé. Non, mais tous mes autres pulls sont sales. T'as fait comment?
Facile, je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette. Ouais, bah c'est pas une marque, alors t'arrêtes maintenant. J'arrête rien du tout. X Company, ça existe pas non plus, d'accord? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi. Tu vois, alors tu veux que je te dise, eh ben t'es coincé, pauvre slip. Tiens, regarde. Oh non, 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 ça va pas, ça, Jean-Claude, ça va pas. Ben quoi, c'est juste des bisous de tête. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est de la marque, de toute façon. Mais c'est pas de la marque, ça! C'est complètement débile! Écoute-moi, X Company, c'est de la marque! Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça? Non, non, c'est des morceaux de l'imperméable de ma mère. Enfin, ça veut dire. Non, c'est. T'es qu'un pauvre clown du zizi, toi! Répète un peu ça! Tiens, les gars, ça roule! Mais qu'est-ce que t'as, François? Tu débloques, toi aussi, ou quoi? Mais pas du tout, Titeuf. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la 6e planète du système solaire en partant de la gauche. Oh, c'est ça, ouais! Ça fait la Saturne Company et ça vient d'Amérique, c'est ça? Bah, ouais, c'est comme toi, quoi. Ils sont tous devenus faux! Complètement faux! Tu cries fort, toi, dis donc. Ça va pas? Oh, Tim, tu tombes bien. Je te vends tous mes t-shirts de X Company. Est-ce que ça te dit? Ben non, moi, les marques, ben, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, tout le monde en a, alors? Heureusement que t'es là, toi. Hé, hey, écoutez-moi tous, c'est méga important. C'est Tim qui a raison. C'est vraiment débile, toutes ces marques. Il faut arrêter ça. Oui, c'est ça, comme ça, tu seras plus que le seul à en avoir, hein? Mais non, c'est nul que je te dis. Si tu me crois pas, regarde un peu ça. Hop. Moi, je garde des Lyon Company. Ils sont trop classe, alors que X Company, c'est vrai que c'est sacrément ringard, ça. Tu vas voir, espèce de pauvre taille de cible. Hein, j'y serai bien, moi. Moi, ça. Non, mais je t'ai senti, moi, c'est Lyon Company. Lyon Company, c'est comme ta moto. Qu'est-ce que c'est moche. Et t'as pas avec toi, et pas servi rien que l'autre personne. Essayez de rester tranquille, quoi. Salut tout le monde! Oh, Nadia! Regarde mon blouson! Rack Corporate avec le logo dans le dos et tout! C'est pas de la bombe atomique, ça! Top! Classe et tout, non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Semer. Ce pauvre moisi du slip coincé du zizi sexuel. Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric. Et plus vite que ça, je te dis. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que toi à raqueter avant la fin de la journée. C'est tout? Donne-moi ton t-shirt alors, tes chaussures, ton pantalon et aussi tes chaussettes. Mais non, mais t'es bouché ou quoi? Je voulais aussi ce pantalon.
Mais ça va être trop petit, hein? C'est pour votre pointure, monsieur. Tais-toi, ou je prends le slip avec, compris? Rendez-vous demain soir à la même heure au parc. Et t'as intérêt à m'amener plus de fric. Si t'avais une voiture, ça m'arrangerait. Et puis pas un mot, d'accord? Sinon je m'en prends à ta sœur. C'est vide. Oh non, il va me zigouiller le zizi si j'ai rien à lui donner. Faut que tu te sacrifies sur ce coup-là, Zizi. Mais promis, dès que j'ai des sous, eh ben je te rachète tout de suite. C'est fini, Zizi, là. T'inquiète pas, je te laisserai jamais tomber, non? Chez moi à moitié nu. Ah ouais, toi aussi? Ah ouais, c'était plutôt un grand type comme celui-là. Il raclait de vomito. Hé, il lui donne du papier toilette. Ça marche, regardez, il le prend. Et maintenant, donne-moi tous tes vêtements et dépêche-toi un peu, le naze. Et ben au moins, vomito, il sera plus raclé et il est tranquille. Vous avez vu ça, les gars? Ben le grand, il est complètement miro des yeux. T'as raison. Et les gars, je crois que j'ai une idée qui va bien nous faire marrer. Les pièces en chocolat que Pépé m'a offert quand j'avais que 4 ans et des poussières. Si ça se trouve, elles sont même pas tout à fait périmées. Hugo, qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, chut! J'emprunte juste le jeu de société de la classe. Y a plein de billets là-dedans. Je vais m'en faire des tonnes de photocopies, tu vois. Super! Hé, vous avez vu comme je suis riche? Wow, t'as touché le gros lot, là, on dirait. Hey, oh, non. Est-ce que la pêche a été bonne? À ma parole, c'est pas mal. T'as dévalisé une banque ou quoi? Non, c'est ma grand-mère. Elle les avait gardés dans son frigidaire depuis le jour où elle a... Et toi, le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi, hein? Fais voir. C'est des grosses pièces que ma sœur, elle a trouvées dans l'estomac d'un gigantesque requin mort quand elle était en camp à l'étranger. Ouais, c'est bon, donne, je connais. Tenez, monsieur, moi c'est des pièces d'or que mon grand-père, il a ramené d'une expédition archéomagique très dangereuse en Afrique. Merci, ma mignonne. Rendez-vous demain matin, au même endroit, il s'en fout de piger. Oh, il est complètement miro des yeux, ce type. Non, mais est-ce que t'as vu comment il a pris les billets? Et mes boutons? Et le pire, t'as vu, c'est quand il a dit à Titeuf, merci, ma mignonne. Arrête ça, je vais faire pipi dans mon slip. Ben alors, ça va, ma mignonne? Titeuf, t'as un problème? Oh, ça va, les faces de slip. J'aimerais bien vous y voir, vous. Pense à un truc, dis donc. Et si le grand miop, il te prend pour une fille? Oh. Ben, on tient peut-être un bon truc où on pourrait se venger carrément. Allez, viens. Allez, fais pas le timide. Vous croyez vraiment que ça va marcher? Mais oui, bien sûr, vas-y. Dis donc, il va avoir une sacrée surprise quand même, le grand miop. Bonjour, mon grand monsieur. Salut, ma mignonne, ça va? Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui, ma jolie, hein? C'est-à-dire que je pensais que vous deviez être plutôt super craquant sur vos lunettes. Vous voudriez pas les enlever par hasard, que je puisse vous voir?
Comme tu veux, ma mignonne. Alors, je te fais comme ça. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je parte. Ma maman va s'inquiéter, sinon. Attends un peu. Oh, ben, elles sont mes lunettes. Qu'est-ce qui se passe ici? Reviens ici, cette petite peste. Oh, ben, oh. Je suis une blague. Elle est pas drôle du tout. Je vous préviens. Hé, hey, vous là! Pas de baignade dans la fontaine, monsieur! Oh là là! Qu'est-ce que tu veux? Dois avec ta petite casquette, occupe-toi de tes affaires, mais avant, donne-moi ton fric! Non, mais tu sais à qui tu t'adresses, là, mon garçon? Allez, oh, maman! Hop! Au suivant, là, s'il vous plaît! C'est le policier, hein? Tenez, c'est pour le grand myope pour qu'il puisse jouer en prison. Il a déjà des billets avec lui. Hein? Au lieu de faire de la dictée. Ouah, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en Orville. On dit pas tout en Orville, mais tout en camon, pauvre Nuke. Bande de pouf pizza. Une grande statue. J'arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir. Il n'y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. C'est quoi? C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. J'ai pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un boulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... Oh! Salissant! Oh, le petit chouchou à sa maman. Non, mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur des dents. Tu t'es vu, toi, pauvre Nuke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Juste alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Allez, vas-y, Vomito! Allez, arrache-moi ce maudit savon! T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi,
tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand entoseur attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert de citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais. Bon bah, peau d'injustice, d'accord. Je prends celui qui est devant moi. Hé, hey, t'as pas le droit de faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Hé, maîtresse, s'occupe la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Oh, 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 oh. Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? Un taline où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais! Vivement que j'ai un ordinateur! Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul! Oh, mon cadeau! Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue! On se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères. Oh, bonjour, maman. Oh, oh. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette? Bah, c'est pendant que je faisais pipi. Il y a eu une tempête énorme. Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, hey, toi, je compte sur ton silence, hein. Silence. Titeuf. Je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi, du poisson bouilli au chou-fleur, est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, bah, ils grandissent pas du tout du cerveau. Barrage anti-bruit. Deux, installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? Oh, on dirait un vrai tremblement de terre. Vite, les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Ta-da! Titeuf! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchouf! Ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Skombrovitchou? C'est pour vous protéger? Absolument pas! Protection est concept archaïque.
si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure. Maman, où sont mes lunettes de ski? C'est pas l'été encore. Et puis t'as oublié tes palmes et ton tuba, mon vieux. Microbe ignorantus. Oh, hey, Titoff, t'es déguisé en Dracula, là, ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphégor à la montagne en train de faire du ski. Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip. C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga-films lucides. Ouais, vraiment? Ouais. Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide. D'accord, mais... Et pourquoi t'en portes, alors? Parce que je vais faire des films, tiens. Comme Peter... Sgombrovitcho. Tu rigoles? Mais c'est méga top, hein, Titeuf. Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un accoutrement. C'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf, bien, ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. Non, non, c'est pas juste. J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame. Titeuf, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement. Et en plus de ça, eh bien, tu me copieras 500 fois. La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes. 500 lignes. Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau. Hé, j'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition. Wow! C'est génial. Ça va être un film d'horreur. Nadia sera la belle jeune fille à sauver. Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire. Du genre méga peau humain trop horrible. Et qui voudra la dévorer. Oh, c'est méga trop top. Ça va être génial. Ça va être fun de très fun. Et qui sait qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf? Le héros, comme toujours. Pourquoi? Ben, je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout. Non, sûrement pas. Oh, ben pourquoi, Titeuf? Parce que dans les films d'horreur, eh ben, il n'y a que de l'horreur pour des types qui embrassent les filles. Voilà pourquoi. Pourtant, il n'y a rien de plus horrible. Ouais, mais non. Bon, c'est d'accord. Hugo se charge du matériel de prise de vue. Ouais! Je veux prendre le caméscope de mon père. Il a un zoom et un bouton Stampy, c'est du dernier cri. Moi, je veux faire tous les effets spéciaux. Tu vois, les pistoles et fixes, comme ils disent en vrai. D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi, le film? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein, Manu? Y'a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue. Le monstre méga pour humain trop horrible. Bah, la scie. Non, c'est bien trop lent, ça. Au marteau et au burin. C'est le titre. Le grand massacre au marteau-burin. Oh, c'est giga trop cool comme titre. Voilà la chose. Quoi, Hugo? C'est ça ton caméscope dernier cri? J'y crois pas, mais il date de Mamusalem. Ouais, peut-être, mais il fait la touche Tambi quand même. Et il fait aussi les ralentis pour les suspens. Par contre, il faut que je trouve comment ça marche. Et moi, j'ai les spéciaux les fixes. Hé, hey, salut les gars. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un giga, man. Dis rien, Manu, c'est moi le réalisateur. Alors c'est moi qui raconte. Ça s'appelle le grand massacre au marteau burin. D'abord, un beau burin. Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau. Le bruit est tellement perçant. Le sang gicle de partout. Le monstre a le visage complètement aspergé. Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie. Après, il se met à la recherche d'une autre victime. Mais cette fois, une plus belle. Mais plus rapide aussi. Heureusement, la belle a beaucoup d'amis. Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau, qui vaincra le monstre sanguinaire. Et l'enfermera dans les toilettes de l'école. En attendant la police. Ça fera un hit dans les box-office.
Et ça, c'est moi qui vole d'ail. Bah, c'est du vrai génie. Moi, je veux faire le super-héros. Et moi, je veux faire la belle jeune fille rapide. Pas de problème, Nadia. Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre. Et moi, je fais le super-héros, hein, vie. Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police. Et moi, eh ben, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes. Hé hey, on s'en va pas. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être le héros, c'est pas possible. Calme-toi, vieux. C'est moi le réalisateur, c'est moi qui fais le casting. Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros. C'est pas juste. Tu fais la cumule. Ouais, et moi, si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs. Ouais, ben si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'ils cherchaient un T-Rex pour Jurassic Park 6. Allez, bon débarras. En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre? Eh ben, c'est toi. Y a que toi qui ait des dents de monstre. Ah, alors ça, un secret. Fais voir, les gars, ça marche. Vas-y, fais voir, c'est génial! C'est bon, les castagnes! Continuez comme ça! On a le plus fort la baston! Ouais, c'est cool! Vas-y, Jean-Claude, tu sens de la chic et du molard! C'est bien vrai, est-ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement? Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants. Les vedettes. Bah, et Titeuf, c'est génial, tu vas être super content. On va changer juste un peu le scénario, hein. Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école. Et même que la maîtresse, elle nous aide. Et en plus, tu vas rire, on a notre première séquence. Et devine quoi, bah c'est toi la star. Oh, ça fait mal. Y a Kim qui est amoureux de Nathalie. On va pouvoir se marier. Alors, Kim, pourquoi tu lui parles pas? Je peux pas. Je suis bien trop timide pour faire ça. Ouais, c'est pas facile. Mais peut-être qu'il y a quand même une solution. T'as qu'à lui écrire un poème. C'est total romantique. Oh là là, je sais pas si je saurais faire. T'inquiète pas pour le poème. Moi et Manu, on va s'en occuper. J'en ai un autre toujours avec la lettre S. Ça profite. C'est une bactérie parasite. Berk, 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 quelle horreur. Oh, Nathalie, tu es mon chat prophète. La baffe qui va se prendre, Tim. Oh, bah tiens, Tim. Avec ça, elle va craquer, Nathalie. Merci, mon vieux Titeuf, c'est trop sympa. Ode à Nathalie Salmigondi. Oh, Nathalie, ma douce succube, tu m'as jeté un sort, tu es mon chat prophète et je t'aime très, très fort. T'es vraiment sûr? Ça me paraît un peu compliqué quand même. C'est vrai, ouais, mais tu trouveras pas aussi original. On a fait un max de recherches, tu sais. Ah ouais? Allez, vas-y, mon pote. Et vas adorer. Waouh, ça y est, mon petit Manu. C'est l'heure de se marrer. Oh, Ode, T'es sûr que ça va aller? Oh, bah quoi? Oh, c'est pas vrai! Non, mais quelle noise! Ah, c'est pas bon!
Et t'as vu? Voilà Tim le plus timide des nazes. Attends une minute. Je crois que j'ai un nouveau plan. Écoute, tu vas voir, c'est absolument génial. Et cette fois, on va vraiment se marrer. J'ai tout fait rater avec Nathalie. On était tous les deux tout seuls sur la plage et... Sur la plage? Et tout seul? T'es ouf ou quoi d'aller sur la plage tout seul? Bah ouais, c'est hyper dangereux de faire ça, t'as rien remarqué? Non, pourquoi? Mais regarde, tigre, espèce d'inconscient! C'est un véritable monstre! Il s'est échappé d'une réserve sous-marine qui est pas loin. Hein? Et dès que la nuit tombe, il s'approche doucement de la plage. Pour dire, il a déjà bouffé deux pêcheurs. Mais la maîtresse, elle en a pas parlé pourtant. Hein? Normal, t'imagines pas la panique. Nous on sait parce qu'on l'a vu sur la plage de nos propres yeux. Titeuf, Manu, où êtes-vous passés? Titeuf. On y va, Manu. Tim, hein? Tim, oh, viens voir, oh, vite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Titeuf, il s'est fait manger par le requin tigre. Oh non, oh, c'est horrible. Pauvre Titeuf. Je vais prendre ses habits pour les ramener à ses parents. Ah, ah, le requin tigre, il revient. Tim, Tim, ne prends pas les habits. On peut dire qu'il est vraiment trop, ce Tim, quand même. Ah ouais, mais je crois qu'il est parti avec tes fringues. De quoi? J'ai plus rien à mettre. On a préparé les valises ce matin. Et puis je peux pas montrer avec mon vieux slip tout pourri, c'est trop la honte. Ah, ça c'est sûr, faut absolument qu'on retrouve Tim. Oh, les monos. Qu'est-ce que tu fais sur la plage tout seul et en pleine nuit? Rien du tout, je me promenais. Allez, viens avec moi, on rentre tout de suite. D'accord, d'accord, c'est beau, j'arrive. Et là, le requin, il a mangé Titeuf. Et voilà tout ce qui reste de lui. Pauvre Titeuf. Titeuf, ça c'était un vrai pote. Il était vraiment, vraiment superbe. Tim! Hein? J'aimerais que tu me rendes mes fringues. Le fantôme de Titeuf! Au secours! Non mais quelle bande de pauvres blaireaux trouillards du slip! Oh là là, c'est vraiment pas drôle. Oh, quel boulet ma mère quand même. Me laisser partir, moi, son fils, avec des trucs pareils. Tcho! Faut vraiment que j'arrive à retrouver mes fringues, moi. Le fantôme! Sauf qu'il peut la vie! Au secours! Le fantôme! T'es où? Tim, c'est moi! Reviens! Tim! Tim! Titeuf, le mort-vivant! Pitié! Au secours! Vous en faites du bruit! Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Qu'est-ce que vous faites là? Enfin, et toi, Titeuf? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce drap sur la tête? Attention! C'est pas Titeuf! C'est un mort-vivant! Reculez! Non! Titeuf! On croyait que tu étais mort! On était super frites! Wesh! On est content de te revoir, monopole de slip! Oh, et puis au fait, plutôt sympa la couche de ta petite sœur! Bon, eh bien, maintenant que vous avez vu que ce n'était pas un fantôme, tout le monde retourne se coucher! Tim, on a été méga nuls avec cette blague. Tu m'en veux pas trop, dis. Laisse tomber, on oublie. Et puis en plus, c'était vraiment sympa de ta part de me faire un poème pour Nathalie. Oui, le Samigondi et le Saprophyte te remercient énormément pour ce merveilleux poème que tu m'as écrit, Titeuf. Alors comme ça, on traite les filles de démons, de bactéries, de toutes les méchancetés que j'ai pu trouver. J'ai tout de suite reconnu ton écriture sur le poème, espèce de pauvre type dégénéré. Oh, Berk, c'est quoi ce slip de bébé que tu portes? C'est une couche? Allez, viens, Tim. Un garçon mignon et aussi gentil que toi ne devrait pas traîner avec un gnome en couche-culotte. Oh,
Oh, Titeuf, tu sais quoi? Je me suis fait détruire par Benoît. Il m'a refilé une méga punition. Ouais. Bah, moi, je viens de me faire détruire en mille morceaux par les filles. Mais, en fait, bah, c'est vraiment pas un marrant comme on le croyait, le père Tim. Je peux te le dire. Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Tchou! Avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tata! Regardez, c'est classe. J'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas de cornichons. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça n'est pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde, on s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite. Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je vous laisse jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Duglan. Titeuf est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio-réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Yeah. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et sans déraciner l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin. Et toi, Vomito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Tchou, les filles, ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu mets pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Il arrive. Le bûcheron d'armes ne passera pas. Le bûcheron d'armes ne passera pas. Le bûcheron d'armes ne passera pas. Vous êtes folle ou quoi, les petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne, ou les loups viendront vous dévorer.
Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum. Désolé, monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Duglan. Je vous entends mal, monsieur Duglan. Ça va couper, monsieur Duglan. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, vomito, sinon tu vas tout faire rater. Ben regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. J'avais vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Duglan, c'est une catastrophe, monsieur Duglan. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Duglan. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Duglan. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur... Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Duglan. Non, on n'y peut rien du tout, monsieur Duglan. Eh bien, voilà. Votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Hein? Attention les yeux, je vais te faire la pirouette de la mort. Et voilà. C'est vraiment super. Alors, t'en dirais quoi si t'étais Nadia? Que t'es super méga kill. C'est sûr qu'elle voudra toi comme pilote aux autotamponneuses. Passons avec les filles, si on est beau, si on est intelligent et si on est sportif et cool comme moi, ça marche. Oh là, gaffe-toi, les vlas qui arrivent. Les filles, pour vous, voilà le méga super saut de la mort. Ouais, vous avez vu les appels? Hey, vous avez entendu ou quoi? J'ai dit le méga super saut de la mort. Bah, même qui peut se briser les testicules en plein vol. Et salut les filles. Et hop. Un, deux, trois. Oh.
pardon, je t'avais pas vu. Waouh, c'est trop génial. Vous avez vu le nouveau vélo de Marco? Ouais. Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tour. Oh, trop cool. Et surtout, bah, vous battez faux pour me sauver la vie, espèce de pauvre naze lâcheur. Oh, le bol que j'ai, c'est super. Trop de chance. Je parais que je serais le seul à y avoir pensé. Oh, ouais. Oh. Devine quoi, Titeuf? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non? Tu pourrais le dire à ton ami. Oh, c'est pas vrai, vous êtes énervante, les mamans, à tout penser. J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais. Et bonne fête, Nadia. Ton nom est plus beau qu'un dahlia. Oh, c'est pas facile de faire des rimes, Nadia. Tcho, ça va pas. Apprends à parler avant de dire des grands mots. Nadia, ton nom est encore plus joli. Pipi. Bonne et heureuse fête, Nadia. Ton nom est plus beau que mille et un dahlia. Joli comme des confettis. Ou alors comme ça. Oh, Nadia, je rêve avec toi de ton tamponneuse et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Jolie comme des confettis. Oh, Nadia, je rêve avec toi de ton tamponneuse. Oh, Titeuf, qu'est-ce que c'est mignon d'avoir pensé à ma fête. Attends, attends, c'est pas encore fini. Et que tu m'en fasses ton bisou d'amoureuse. Tcho, Nadia, j'ai deux places pour aller écouter les Bad Girls à la fête de mon lycée. Tu viens? Les Bad Girls? Oh, attends-moi. Tcho, c'est complètement nul, les calendriers de l'école. Il pourrait nous prévenir quand il y a un concert des Bad Girls. Mega top! C'est demain qu'ils installent les autotamponneuses. Ouais, cool! C'est vraiment trop fun! Eh ouais, surtout que moi, eh ben, je serai le copilote de Nadia. Ouais, l'autre! Et comment que tu vas faire? Oh, ça, c'est un secret, mon gars. C'est obligé que ça soit moi. Moi, laisse pas tomber, Manu. En échange, je te donne deux Drago Kart Mega Monster. Ouais. Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins 5. 3, et pas une de plus. Et surtout, prends bien l'air vrai, d'accord? Tcho, vas-y, go, go, go! Ça va pas, non? Tu vas me lâcher, espèce de pauvre... T'es vite, juste avant, on va. Mais qu'est-ce qui leur prend, je vous jure. Hé, hey, Nadia, alors, comment ça va? Hey, laisse-la tranquille ou je t'écrabouille la ciboulette, pauvre naze. Je ne suis là que pour toi, Nadia. Oh, juste alors. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Waouh! Hey, dites donc, les mini-crottes! Vous avez pas un peu fini d'embêter les filles comme ça? Non! Non! Oui. Ah. Oh, ça fait mal, ça! Ah. T'es allé trop vite, pauvre pesticule! Oh, c'est pas vrai, je comprends pourquoi elle préfère Marco, Nadia! Tu me rends mes Drago Kart Mega Monster! Oh, l'autre, c'est ça, ouais! C'est qui le blaireau qui a eu cette pauvre idée de gros naze? Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pédoncule. Espèce de monopoil, va. Mais qu'on se calme. Espèce de titanisé du cerveau de... Pauvre moisi du slip. C'est lui, même qui mange un beignet choco. Un beignet? On parlait pas de beignet. T'es pas un peu fou, toi? Je parie que Marco est venu chercher Nadia pour les auto-tamponneuses. Oh, cette fois, moi, je vois le dé. Il va voir. Hé, hey, Titeuf, où tu vas? Fabriquer la plus giga bombe à eau de toute ma vie. Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils. Oh, oh. Super, Titeuf. Et t'as encore rien vu, mon pote? Est-ce qu'il se passe encore là-bas? Eh, là, la maîtresse! Oula. Oh.
est en train de jouer avec l'eau ici, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf! Comment as-tu osé cette fois? Tu as vraiment dépassé les bornes. Je vais prévenir tes parents sur le champ et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé. Hein? Oh là 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 là! Si vous aviez vu la bombe à eau de Titeuf! Un véritable éléphant! Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse! Sur la maîtresse? Waouh! Alors là, il a vraiment eu du cran, Titeuf! C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde? Ouais, mais bon, ça a pas duré. Dis, Titeuf, tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi? Je peux pas, faut que j'éponge tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit. C'est dommage quand même. Mais bon, j'irai avec Marco alors. Oh. Vous pouvez croire ça, vous? C'est vraiment pas juste. Par ici, les enfants. Allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie, exactement? Je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spotch! Oh là là, les pauvres dieux! Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien. Je vois qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac! Et toi alors, tu vas peut-être nous dire qu'en zizi, tu t'y connais? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Chaud la honte! Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse. Ah, ça serait trop cool, ça! Un fantôme? Quel fantôme? C'est un musée, ici! On n'est pas dans un château hanté! Oh, ouais, n'y est! C'est connu, tous les musées en ont un. On trouve Belphégor dans le Louvre, il y a aussi la momie tout en camion. Alors, avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, il doit bien en avoir un! Tu veux dire un castrateur de zizi? Ouais, par exemple. Pff, c'est des salades, tout ça! Il n'y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fous! Hé, regarde! Tu vois que j'avais raison! Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme il serait là-dedans? Chou, t'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, je vais lui dire deux mots, moi, à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio, de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là! Mais c'est pas possible! Ils ont pas pu se dématérialiser, c'est pas possible, ça! Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? C'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la quatrième dimension? Oh, oh,
j'ai peur. Oh, il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Petit œuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, petit œuf, dis. Un petit blond nerveux et un brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugul à roulette. T'as déjà vu un mugul, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en science nat. On part du tronc, après on trouvera les bras et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Pfff, ma fufule de ces trous, disons. Titoff! Manu! Ne dis pas, ouh Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. Bah, t'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et oh, t'oublie pas qu'on l'a fait à deux. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter. Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis, de toute façon, les fantômes, ça n'existe pas, hein, pauvre Nuke. Comment tu peux savoir? Ça, t'en as jamais vu, toi. Donne l'alarme. Ben, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Bah, ils ont tous étalés comme s'ils avaient vu un revenant. Allez, viens, on va les rattraper. Elle est fantôme. Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme. C'est lui, il arrive. Ça suffit, enfin Hugo. Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de la... Sauf qui peut, les amis. Manu. Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le grand mugul à roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul, ton truc, espèce de... Si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, ben t'as un zizi, non? Thank you.
Dis donc, maman, c'est pour Morin ici. On peut rentrer à la maison? Tu vois bien que je suis occupée. Elle te plaît? Une poupée? Mais maman, je suis pas un moment sexuel, moi. J'en veux pas de cette poupée. T'en as pas mort d'être une fille, toi? Le miracle va s'accomplir. Observez bien, mesdames et messieurs, dans ce récipient, il y avait de l'H2O. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux, attention, il contient du Kleenex. De quoi faire briller la maison du sol au plafond. C'est quoi l'H2O? Non, mon petit, il a dit de l'H2O. Tu vois, c'est de la flotte. Je peux tout transformer. Le chabichou, l'épée de nonne, les figatelli, le gazpacho en carpaccio, tout ce que vous voulez. Et toi, le magicien, tu peux aussi transformer mon billet de 100 en 500. Et ma petite sœur, tu peux pas la changer en petit frère? Bien sûr, mon petit, je peux tout faire. Par les pouvoirs qui me sont conférés et par la force toute ça, c'est des méga pouvoirs. Que ta petite sœur devienne ton petit frère. Et maintenant, mesdames et messieurs, connaissez-vous le Kleenex, produit exceptionnel de nettoyage? Allez, Tito, c'est bon, on s'en va. Vous permettra de nettoyer sans vous fatiguer. Et moi, c'est quand que tu m'achètes mon Dragon Zorg 2? Wow, cool. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles qu'on va au ciné à 6 heures ce soir? Oh zut, je suis désolée. Dépêche-toi, on va rater le début. Je veux aller au ciné, je veux aller au ciné. Allez, je veux aller au ciné. Tu sais que c'est un film intellectuel, je pense que ça ne te plaira pas. Eh, moi aussi, je suis un intellectuel. C'est pas juste, je veux aller au ciné. Ça suffit maintenant, Titeuf. Alors tu vas faire comme on a dit. Tu restes ici et tu gardes ta sœur et tu lui donnes ça quand elle se réveille, d'accord? Et tu ranges bien les courses dans le frigidaire. Je veux pas. Je les rangerai pas, les courses, c'est pas juste. Et puis d'abord, je m'en fous de votre film des nazes. Oh, et puis voilà, ça recommence. C'est vraiment horrible. T'es enroué, toi, ou quoi? Toujours les mêmes qui se tapent le sale boulot. T'es une vraie fabrique à caca, toi, hein? C'est quoi, ça? Oh, mais t'as des pesticules! Et en plus, moi, t'as un zizi! Oh! Waouh, le magicien a réussi à te changer en garçon! J'ai un petit frère! J'ai un petit frère! J'ai un petit frère! J'ai un petit frère! On va pouvoir jouer au foot, au Pocket Toy et Dragon Zork! Tiens, regarde, mon super méga Pocket Toy! Hé! Hey! Non, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? T'as vu ça? Faut que tu fasses gaffe, c'est mon pulvérisateur de molécules pourries. Oh. Hey, toi, touche pas mon dragon Zork. Non mais ça va pas, toi. Regarde, oh, il neige, tu as vu? Oh, oh. Ça s'arrête jamais, ce truc! Alors toi, t'es vraiment pas sympa. Ça va, ça va! J'ai compris que t'avais faim. Tu veux quoi? Du lait, du fromage, des carottes, du whisky? Allez, vas-y, ouvre-moi cette bouche! Allez, allez, ouvrez l'aéroport, hein! Bon, bah, puisque c'est comme ça, tcho! Oh!
Ras-le-bol des petits frères. Si c'est comme ça, et ben je te ramène au magicien. Le miracle va s'accomplir. Et voilà, mesdames et messieurs, dans cette assiette qui contenait un quart de beurre de Charente, se trouve maintenant un savon Clean Net. Oh hey, j'en veux pas de ton petit frère. Il casse tout et il arrête pas d'hurler. Rends-moi ma petite sœur. Si c'est ce que tu veux, pas de problème. Par les pouvoirs qui me sont conférés, que le petit frère de ce jeune garçon redevienne sa petite sœur. Abracadabra et Shira et boum et patatra. Et zam, voilà mon garçon. La magie a fonctionné, car je suis un grand prestidigitateur. Arrête un peu d'embêter ce bébé, tu veux bien? Ouais, moi, bah, je l'ai quand même vérifié. C'est une fille! Bravo! 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 Ouais! Comme t'es redevenue une fille, eh ben t'as le droit d'avoir cette petite poupée! Coucou! Hé, hey, maman, c'était bien le ciné? Un petit peu compliqué. Ton père a dormi pendant tout le film. C'est sûrement parce que c'est pas un intellectuel, papa. Et de ton côté, mon chéri, tout s'est bien passé? Bah ouais, à part que le magicien avait transformé ma petite sœur en petit frère, sinon ça a été. Et il a été sage au moins, ton petit frère? Non, tu verras, il a tout cassé. Je crois que les sœurs, c'est quand même plus sage. Oh, ça c'est vrai. Elle te plaît au moins, ta poupée, ma chérie? C'est pas juste. Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé, hey, madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête, et ça même quand tu mens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants! Ah, vraiment très drôle. Maintenant... Ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Point dans yeux. D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchot! Pour qui est-ce qui nous prend, des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça un arbre. Gaffe, tu vas avoir zéro. Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça est patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, eh ben, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Sur la moustache du psychologue.
Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre. Oh, et voilà, comme ça, ça fera une belle petite ligne. Oh, j'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Wow! On dirait les nanas de Mr. Bug! Oh, mais non! Tu vois bien que c'est deux mâchoires de chimpanzés! Et toi alors, jeune petit œuf, qu'est-ce que tu y vois? Deux revolvers! Allez, c'est fini, ouais! À quoi pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond « Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. » Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieillard des plus sinistres, des réponses très inquiétantes et pour finir, deux revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible céréal killer. Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane, il voulait dire un céréal killer. C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon. Oh ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible? Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute? Lui en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire un sens. Non, c'est parti. Eh, mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser? Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller? C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut deux volontaires. Top là! Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Et moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Ok. Et ça m'a coûté trois fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Nuke, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidé tous les deux. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus que parafil? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague du petit. Le v'là, j'y vais. Oh là 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 là. Mon Dieu, j'en étais sourd. Au secours, au secours. Rattrapez-le. Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo, les gars. Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Chaud, un peu plus et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné.
juste. Tchou. C'est quoi, Zézé? Je vais en glace de mer. Tu trouves pas ça génial, toi? On va faire l'école à la plage, cool! À la plage! Titeuf, va vite te laver les cheveux, s'il te plaît. Je veux que tu sois impeccable pour ton départ, d'accord? Tchou, maman! Je les ai déjà lavés il y a 15 jours, c'est pas la peine! C'est tout à fait étrange, en effet. C'est peut-être héréditaire. Il me semble aussi qu'autrefois, ton grand-père frisait au soleil. Ça va pas? Et d'abord, papa, il est pas héréditaire. Il est complètement chauve. Hein? Tu crois que moi aussi, je vais être chauve? Mais non, mon poussin. Ça doit être la préadolescence. C'est parce que tu commences à te transformer en grand garçon. Quoi? Allons, chérie, ne le panique pas. C'est sans doute une réaction passagère à l'eau, et puis c'est tout. En tout cas, comptez pas sur moi pour me remouiller la tête. Et ça de toute ma vie, tchou! Oh, attends, j'avais oublié, je peux pas mouiller ma mèche, moi! Titeuf, fiard, t'oses pas plonger dans la vague? Titeuf! Oh, hé, les gars, je crois que Titeuf, il s'est perdu en mer! Et 1, et 2, et 3, et 4. Allez, on y va, les enfants. Benoît, il y a Titeuf qui a disparu dans l'eau. Hein? Oh, doit pas être bien loin. Continuez l'exercice avec la maîtresse. Reprenons. On lève les bras, descendez-les, et levez-les. Descendez-les, et levez-les. Silence, les enfants. Titeuf! Titeuf! Ah! Ah, je te tiens! Sors ta cachette, Titeuf! Titeuf, vous-même, sale type! Ah! Oh, désolé! Oh! Un crabe! Un crabe à turbo-pince! Hein? Ah, cette fois, c'est sûr, je te tiens! Non! Ah! Titeuf! Titeuf, tu veux bien rejoindre le groupe, s'il te plaît? Non! T'inquiète pas, je finirai bien par te mettre la main dessus, Titeuf, espèce de petit nuc. Ah, oh! Non, mais ça vous apprendra à espionner les femmes sans arrêt comme ça. Oh, je... Oh, un chemin. Oh, tchou, Benoît. Tu vas comme tu veux, mon gars. Non, 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 je peux pas aller dans l'eau. J'ai les cheveux qui sont allergiques. Eh bien, non, moi, figure-toi que je suis allergique aux sales gosses. Oh, non. Oh, non, pitié. Et ne t'avise pas de me refaire un coup pareil, Titeuf, d'accord? Regardez, un alien sous-marin à capuche. Le premier qui lui pique son pauvre bonnet de pédoncule a gagné. Yeah, ouais. Bande de blaireaux, lâchez-moi les baskets. C'est moi. Capitaine Bouée. Même trop mal, espèce de pauvre. Mon bonnet. Rendez-moi immédiatement ce bonnet. Titeuf, ça suffit. Sors de l'eau tout de suite. Tu es puni pour le reste de la journée. Même pas mouillé. Ma
maintenant, je parie que pas une goutte d'eau sera capable de mouiller ma mèche. Ouais! Enfin, moi, les joies de la plage et de la mer. Tu sais que t'es méga beau, avec ton chignon sur la tête, t'as l'air d'un vrai samouraï. Un samouraï, tu trouves? Ouais. Mais bon, c'est dommage que ça ne tienne pas, quoi. Ici au moins, eh ben, je suis sûr d'avoir la paix. Oh, hé, les gars, vous avez vu comme la mer monte? On peut même plus aller jusqu'à la barque. Gaffez-vous, les monopoiles, parce que moi, ben, je vous bats tous à la course avec mon dino propulseur. Ça compte pas d'abord, gros blaireau, c'est parce que c'est le vent qui te pousse. Ça va trop vite! Je peux pas l'arrêter! Aidez-moi! Abomito, enlève ta bouée! C'est pas possible! Je sais pas nager! Oh! Oh, mais dis donc, mais c'est que ça monte! C'est devenu profond ici! Titeuf! Abomito, c'est trop profond! J'ai plus pied dedans! Ouais! Moi non plus! Tiens-toi à moi. Maman, j'ai peur. Oh, mais fais gaffe à pas m'éclaboussir la mèche, je casserai du GG. C'est bon, c'est bon. Ici, tu es sauvé. Oh, oh là là. Attention, mais t'es pas dingue, là. Lâche-moi, j'ai mal au cou. Lâche-moi, je te dis, j'ai mal au cœur en bateau. Je vais retourner dans l'eau, lâche-moi. À la santé de Titeuf, qui, au péril de sa vie, a sauvé celle de vos... Hervé et Bibi. Ouah! Oh, bah c'était pas si dur. Le plus dur, c'était surtout les rotins qui s'étaient accrochés à sa bouée. Oh, Titeuf, tu es un vrai héros. Nous sommes tous fiers de toi. Oh là là, oh! Tu peux pas faire gaffe à ma mèche pour nous du kiki sexuel. Et les gars, Titeuf est bouclé comme une de ces poupées parfaites. C'est vraiment bon jeu. Barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Tcho, il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules. Hein, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Prévenu, Scully, ce sont des hommes poissons venus de Mars. Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder dossier envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant dossier envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scully, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip! Mais t'as rien compris! Pourquoi est-ce que tu crois que mon père, il regarde dossier envahisseur? C'est pour son boulot! Eh ouais, mon vieux! Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens! Et bouge pas, tu vas comprendre! Voilà!
ça, c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator. Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Oh, waouh! Et comment est-ce qu'il fait ton père pour les reconnaître, les aliens? Top secret! Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du dossier envahisseur. Titeuf? Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne. Ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors! C'est vrai, ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi. Cho, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas, moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Hey, Jean-Claude, il faut que je te parle. Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir. Parce que si le père de Titeuf se trompe, ben moi je veux pas finir en vers de terre, moi, d'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes? Ouais, c'est papa qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors t'imagines, les plantes vertes, je suis sûre que ça lui ferait vachement plaisir. C'est... Mais pourquoi pas? Au moins, ce serait original. Cool! Moi, je suis sûre qu'il va adorer, papa. Maman, moi je m'occupe des invités. Oh, regarde, Manu, allez, ça, j'arrive. Oh, j'en étais sûre. Il a disparu les frères. Oh, il l'a zigouillé au Moulinator. Et dis-leur que c'est une agression. Non, on va jamais me croire. Ha ha ha!
Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père? Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi au moins je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un jeune garçon prend son père pour un faiseur d'extraterrestre. Enfin célèbre. Je suis le plus grand dribbleur de tous les temps, moi. Allez, viens. Allez, ouais. Allez, viens la chercher. Hey, t'as entendu? Attends, Manu, t'as pas entendu ça? On dirait qu'il y a un bébé par là. Bah, bébé, t'en es sûr? Qui l'a mis là? Il a été kidnappé? Mais par qui? Et où sont les ravisseurs, hein? Tu crois qu'il y a une récompense si on le trouve? Ça y est, je l'ai, c'est un hamster. Ah, c'est pas un hamster, ça, mon vieux, c'est un bébé rat. Mais non, c'est un chat. Regarde, c'est un tout petit chat. Il a l'air en bon état. C'est la première fois que quelqu'un m'aime comme ça, dis donc. Écoute, t'as vu comme il ronronne? On dirait un petit moteur. Oh, mais c'est pas un moteur, ça, ce serait plutôt un bon vieux gros diesel. Lisa? Présente. Tim? Présent. Nathalie? Présente. Dumbo? Présente. Hervé? Présent. Aïe! Tita? Présent, madame. Nadia? Elle est pas là, madame. Elle a une rhinopharyngite allergique avec complications pulmonaires et dérives asthmatiques. C'est sa mère qui me l'a dit. Elle revient demain, madame. Elle a un traitement de cheval contre cette allergie. Bon! Eh bien, souhaitons-lui une rapide guérison. Hugo? Présent, madame! Très bien, je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, géographie. Veuillez donc ouvrir tous vos livres à la page... Oh, mon Dieu, quelle horreur! Jette-moi ça dehors immédiatement, Titeuf. C'est pas un rat, c'est Diesel, mon chat. Oh, qu'il est mignon. Ah, tu me le passes, Titeuf? Allez, il est tellement trognon. Diesel. Dire qu'aujourd'hui, Nadia est pas là. Comment j'aurais eu la cote avec Diesel avec moi? Tes parents, ils vont bien vouloir que tu le gardes. Tu lui parles, ils voulaient déjà pas que j'ai un poisson rouge. Alors un chat, tu penses? Titeuf, si tu veux, je vais bien le garder, moi. Ça va pas, non? T'es folle ou quoi? Je veux que Nadia, elle me voit avec le petit chat, moi. Bonjour, Tita. Ta journée a été... Allez, viens, Diesel. Tu dois apprendre à être propre. C'est le seul moyen de rester ici. Regarde, je te sacrifie même la boîte de mes rides, d'accord? Allez, hop. Fais pipi. Oh, non, j'ai pas dit ça. Allez, je dis fais pipi que je te dis. Psst. Oh, c'est pas vrai. Que tu peux être têtu pour un chat, toi, alors?
Allez, tu bouges pas, je reviens. Tu fais quoi avec l'aspirateur? Oh, rien du tout, je m'amuse. Je joue au charmeur de serpent. Mmh. Allez, hop. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Titeuf s'il est là? Entre, il est là. Entre. Oh, oh, salut. Change diesel contre mon pocket toy. Je m'intéresse plus au pocket toy, ma vieille. J'ai arrêté ça. Écoute, je suis sûre qu'il sera plus heureux avec moi. J'ai toujours rêvé d'un petit chat. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je te donnerai absolument tout ce que tu veux. Je regrette, Nathalie. Je crois que ça va pas être possible. Tu vois, diesel et moi, c'est... C'est pas vrai, Titeuf. Viens ici tout de suite. Je suis un homme mort. Titeuf, viens un peu par là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Qu'est-ce qu'on avait décidé, Titeuf, hein? Pas d'animaux dans cette maison. Mais c'est pour moi, maman. C'est Nathalie. Elle m'a demandé de lui garder son petit chat pendant une heure. Oh, oui, c'est de ma faute, madame. Diesel est mon petit chat adoré. Désolée, je vais nettoyer la chambre de Titeuf, c'est promis. Non, non, non. Titeuf doit commencer à prendre ses responsabilités. Il va nettoyer lui-même. Mais allez, emmène ce chat dehors et tout de suite. Oui, madame. Et alors, t'as pensé à réviser? T'as regardé le film hier soir? Oh, c'était génial, t'aurais vu ça? Nadia est là. Il faut absolument que je récupère Diesel. Comme ça, elle va me trouver super génial. Hey, Nathalie, il faut que je te parle. Ah, en fait, voilà le pocket toy comme promis. Hey, Nathalie, ce que je voulais, c'est... Je suis désolée, Titeuf. Mais on va bientôt rentrer. Je voudrais quand même le montrer un peu aux autres. Mais Nathalie, il faut absolument que tu me prêtes Diesel pour aujourd'hui. Tiens, tu peux garder ton jeu. Je suis vraiment désolée, Titeuf. Mais je crois que ça ne va pas être possible aujourd'hui. Tu vois? Mais enfin, juste pour aujourd'hui, je te le rends ce soir, c'est promis. Tu ne comprends pas, Titeuf. Ce qui est en train de se passer entre Diesel et moi, c'est magique. Pense un peu à lui, enfin. On est une famille maintenant. Tous les deux, on a une vraie relation. Ciao. Bah, mais c'est quoi une vraie relation? C'est des trucs de nuls, quoi, des trucs de filles. Ouais, regardez, c'est le chat de Titeuf. Oh, il est trop beau celui-là, il est trop classe. Ah, regarde comme il est mignon. Qu'est-ce qu'il est chaud. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Elle tousse. Une ambulance, une infirmière, faites plus clair. Lisa, va chercher double airbag. François, la maîtresse, Dumbo, appelle le SAMU. Je suis là, Nadia. Ça va aller. C'est la faute de ce chat. Le chat, là. Je suis allergique aux poils de chat. Bah, dis donc. Heureusement que j'ai refilé le chat à Nathalie. Ah, mais comment que t'as su que Nadia, elle était allergique au chat? Bah, c'est normal. C'est comme un sixième sens. Tout ce qui touche Nadia, eh ben, je le sais, quoi.